Quand j'ai eu des cours de technologie, on avait un prof qui s'appelait Monsieur Courbet, en sixième. Il était très gravement alcoolique. Et le truc, c'est qu'en fait, il a été absent pendant 2 ans, ou 3, je sais plus. Et ils ne l'ont jamais remplacé. Je n'ai pas eu de cours de techno dans ma vie. Ou quasiment jamais. Je n'ai quasiment eu jamais de cours de techno dans ma vie. Tant mieux, c'était en physique. Les profs de physique que j'ai eus étaient tous des merdes. Ok? Tous. J'ai pas eu un seul prof de physique où je me suis dit, putain, ça c'est bon prof, ça. J'ai eu des bons profs, hein, mais pas que. J'avais un prof, il était vraiment chelou. Mais chelou en mode... chelou. En mode, j'apprends plus tard qu'il a fait de la tôle parce qu'il a fait des trucs inappropriés, je serais pas étonné, tu vois. Après, j'ai jamais appris ça, tu vois. J'ai jamais appris ça, mais j'avais un prof qui... il avait vraiment... il a rien fait, hein. Mais... on avait tous un feeling chelou, tu vois, vraiment, en mode... il est bizarre, celui-là. Lui, il est bizarre. J'avais un prof qui mettait des vidéos sur Twitter où il se faisait branler. Oh, ça devait être incroyable quand vous avez découvert ça. Pour lui, ça devait être terrible, par contre, hein. Mais le jour où vous avez découvert ça, ça devait être incroyable. Et putain, le pauvre, par contre. Et après, le truc, c'est le risque, hein. En vrai, c'est le risque, hein, quand tu fais ça, hein. Non, parce qu'en gros, excusez-moi, parce que du coup, je suis en train de repenser à ce prof chelou. Mais en fait, il y a un truc un jour. C'était un peu les débuts d'Internet. Excusez-moi, je fais une parenthèse. C'était un peu les débuts d'Internet et on commençait un peu à avoir des ordinateurs, chacun de notre côté, machin, tout ça. Et à l'époque, quand t'allais sur Internet, t'avais souvent des pop-up sur les sites Internet. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, pour les plus jeunes, vous voyez peut-être pas ce que c'est. Mais en gros, quand t'arrivais sur un site, t'avais parfois une autre fenêtre qui s'ouvrait, c'était souvent de la pub ou un scam ou un truc vraiment de la merde, tu vois. Et en fait, je sais plus pourquoi, je crois que j'étais j'étais en cinquième à cette époque-là. On parlait du coup, je sais pas, il y avait une petite parenthèse au début du cours, on parlait un peu d'Internet parce que c'était vraiment un truc nouveau en vrai, hein, quand j'étais en cinquième. Et le prof nous dit, ah mais si vous voulez plus de pop-up sur les sites Internet, je vous conseille ce logiciel-là. Et en fait, vu qu'on qu'on trouvait ce prof vraiment très très chelou, et vraiment vraiment un mec bizarre, et on s'était dit avec, je me souviens, avec des potes, on s'était dit, putain, t'imagines, il nous a conseillé un site porno, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, c'était effectivement bien un logiciel pour retirer les pop-up, mais qui venait d'un site porno. C'est-à-dire qu'il nous disait, allez sur ce site et téléchargez ce truc-là. En fait, on a fait la blague. En mode, ah, t'imagines, ah, c'est du site de cul. C'est en cinquième, tu vois. Et en fait, non, c'était effectivement bien un site de cul, tout à fait. Sauf qu'en fait, la page qui nous... En fait, il nous a donné une page très précise qui, si tu retires, en fait, juste le... On va dire, admettons que c'est... je sais plus le nom du truc, mais admettons que c'était pornhub.com/nopub. Et en fait, grâce à ce /nopub, en fait, tu pouvais directement télécharger le truc et t'avais pas les images de cul. Bref, c'était un prof très chelou.